Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode European Universalist 4. En mode, on est en train de mettre sur la gueule d'Orissa. Parce que là, Arissa, ça pique. Ils vont où eux? Ils vont quoi en Yarkand? Bon, on va les défoncer en Yarkand. Une fois de plus. Là, c'est lui qui se tape le malus. On va le défoncer. Orissa. Orissa, on va lui fumer sa manpower, c'est très bien ça. Ben, on n'en a plus. Les sièges avancent tranquillement. Le siège de Warangal est terminé, ok. Hop. On a perdu le siège de Warangal, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Ah voilà, Surja est terminé. On avance tranquillement et on va les défoncer. Putain, Balazor, faut pas être pressé hein, pour la faire. Oh là là. Portica, Kurda, Singapour, on va se mettre à Garjat. Hop. Balassor est terminé, très bonne chose ça. On va aller là. Il va où lui? Il va à Rapur. On va l'intercepter là-bas. Ils arrivent le 16 mai, je vais les intercepter. Très bien, on les défonce. Ensuite, on va laisser l'autre armée. Ici, cul-de-toc, en fait, on va laisser une unité. On va envoyer tout ça là-bas, on rapatrie. Et on va aller défoncer l'autre là-bas. Et se la remettre bien cher. Hop, là, on a Battle of Kurda. Ou bien on les a stackés et puis ça c'est parfait. Akutak, parfait. Ben voilà, il pique défonce. On prend Orissa, il a plus rien, il a plus d'hommes.
Hop. On va les défoncer là-bas. Il va arriver à Siricalum. On va aller leur taper dessus. 14 300 on va passer en vitesse 5 aussi parce que bon. Diplomatique Power on prend. Alors eux, on va les faire explorer. Ça, c'est ça que je pense qu'il me faut pour mes colonies. On attend qu'on ait pris ça. Là, on va les envoyer là-bas. Eux, on les envoie là-bas. Hop, 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 ils se rassemblent. Battle de Vire compte très bien. Le siège de Garjat est terminé, ça c'est une bonne nouvelle. Oh putain, c'est beau ça. C'est que maintenant, si on suit la logique, voilà. Voilà. Flotte arrivée, très bien, ici on a notre roi qui en est mort. Ouf, 305, ça pue, c'est de la daube. Voilà, là on va les défoncer là-bas. Benklulu, ils ont popé, moi c'est pas grave. Voilà, Orissa ici, on sépare, voilà.
Porte. Je connais Senna très bien. Très bien. Voilà, très bien. Ensuite, c'est quoi ma mission déjà? J'ai une mission, mais je sais même pas. Ah ouais, Navalres versus Vizianagar. Ah ouais, d'accord. Bon, bah ça, on est mal. 3. 13, voilà. Le siège de Kutak est terminé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, voilà. On va leur donner ça. Là, ici, on va envoyer un colon. Lui, on l'envoie là. La flotte de reconnaissance, on va la faire explorer Sochena. Hop, voilà. Bon, là-bas, Portugal occupe Mahur, très bien. Bon, donc maintenant, Orissa, on va prendre ça, ça. Ah, c'est tout, je peux prendre que ça. Ça. Et ça. Voilà, on va prendre ça. Donc il nous faut 100 de score de guerre avec Orissa. Bon, on va les défoncer ça, les paysans quand même. Vite, 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 faut arriver avant qu'ils... Et merde. Portugal occupe le delta du Bengale, très bien. Koch. Non, Koch s'est fait bouffer. Oh les blaireaux. Ah, donc ça fait que ça me coûte beaucoup moins cher de les gober eux. Voilà, bah là on est bien atteint. On augmente l'autonomie au taquet. Konasena, Mahur. Voilà, ensuite, on va convertir ici. À Konasena 2 et 3. Ensuite, ça,
On rattache à la colonie commerciale, tout ça. Et ensuite, enfin, on va courir. Voilà, encore tout le reste. Ensuite, niveau technologique, on prend un petit techno niveau militaire. Tertio infanterie, ouais, très bon. Schwarzerreiter, latin caracol cavalerie. Et large, ok, c'est parfait. Là, on est bien. Bon, ça se passe quand même correctement pour l'instant. Nos vassaux ont plus envie de se faire la malle. Donc là, hop. Donc, ouais, ça monte tranquillement, très bien. Bon, le coring avance. Les finances, moins 11,24. Hop, on disbande la moitié. Voilà, on redevient positif. Ma flotte de transport, on est en train de fabriquer d'ailleurs. Ok, très bien. Ensuite, la flotte de Séville. On la prend. Et là, on va regarder vite fait où est-ce qu'il peut avoir de l'éventuelle perte de commerce. 30%. Ça vaut 2,8. Ça vaut 2,5. Je pense qu'on va aller aux Caraïbes. Est-ce que c'est drainé ailleurs? Non, il y a absolument tout qui part chez moi. Local. Ouais, on va protéger les Caraïbes. Protect Trade, les Caraïbes. Et ensuite, on va attendre qu'il arrive là-bas. On va le renommer en Caraïbes. Ouais, ça c'est très bien. Et dès que la flotte arrive là-bas, on en rajoute 10 de plus. Mes provinces, pourquoi je perds des thunes encore? Transport Armada Real, c'est quoi celle-là? Ces trois navires-là? J'ai trois transports. Ah oui, c'est ma transport colon, celle-là, on va l'appeler. Merde. On la rassemble, on l'appelle transport colon. Ici, on va recruter machin. On va. L'inflation, elle est en train de descendre, c'est bon.
Ok, bon, donc sur ce, vous avez entendu le superbe tuning de fin d'épisode. Donc on va arrêter l'épisode là. Donc sur ce, bah, je vous dis bye bye, à la prochaine et à plus, ciao!